Bâtir dans un monde en ruine. Frère André. Ouvrage de 1983. Frère André dit, notre société occidentale tombe en ruine. Mais lorsqu'on veut changer le monde, on le peut. D'en bâtir dans un monde en ruine. Frère André s'appuie sur le passionnant récit biblique de Néhémie et sur des exemples. Tirés de ses audacieux voyages derrière les rideaux de fer et de bambou, pour développer certaines réflexions fondamentales. Pourquoi il est important de voir tout d'abord le travail que Dieu nous confie, la révélation du besoin. Comment réagir face à l'opposition? Pourquoi il faut refuser le dialogue, qui aboutit à des compromis? Bâtir dans un monde en ruine nous apprend aussi à avoir autant de sens pratique que de foi, à être un chrétien qui est la foi d'organiser. L'auteur souligne que les besoins n'existent pas seulement en Russie et en Chine, mais partout. Vous aussi, vous pouvez bâtir dans un monde en ruine, dit Frère André, dès le seuil de votre porte. Frère André est le fondateur de la mission Portes ouvertes, spécialisée dans la distribution de littérature chrétienne à l'intérieur des pays communistes. Son activité est décrite dans le livre Le contrebandier de Chérie et discutée dans Morale et contrebande de Frère André. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet « Livres » et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.